Imaginez deux maisons voisines situées en zone inondable. La première est construite en paille et son propriétaire n'a pas d'épargne de sécurité de côté. La seconde est construite en briques et sa propriétaire a une assurance et en plus une maison secondaire à la montagne. Exposées au même risque, ces deux maisons n'auront pas la même capacité à y faire face. Pour les pays, c'est pareil. Et cette capacité se mesure par un score qui va de 1 à 10 ici aussi. Dans les scores les plus élevés, on trouve les pays les plus vulnérables, comme l'Angola, le Tchad, la République centrafricaine ou le Sud-Soudan. Pour regarder l'intégralité de la vidéo, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Pour l'Écho.